Gros rush à matin. On se fait réveiller comme à l'armée. Monsieur est arrivé à 7h15. Il me dit, let's go, on y va, on y va. Y'a pas d'image, je te dis, mais je suis revu. New Vinland. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ici, ils commencent à enseigner avant de déjeuner. Fait que les heures de repas sont différentes en Russie. Fait que on a déjà enseigné une heure, puis là, on s'arrête, puis là, on vient déjeuner. Fait qu'on est dans la place où ils nous font à déjeuner. Cette dame-là, c'est notre cuisinière. Elle cuisine à tous les jours pour l'école missionnaire. Donc, toutes les jeunes de l'école missionnaire qui font la formation sont nourris par la cuisinière à tous les jours. En ce moment, François est en train de faire une petite invitation avec l'école missionnaire et le service pour les personnes âgées qui se passe le mercredi matin. Arrive après une grosse journée. On passe la soirée chez Vitaly. François est fatigué. On essaie de survivre un peu ici en ce moment. En fait, on sait pas on est où. On s'est fait dropper en taxi. Taxis sont pas chers ici. 3,75 pour une ride de 25 minutes.
Oh, François, dans le wilderness, qu'est-ce que tu fais? Non, mais qu'est-ce que tu fais, François? On nous a pas droppé si loin que ça. Non, on était juste du mauvais bord. François, as-tu des commentaires pour la journée? Excellent, les étudiants comprennent beaucoup de notions. Je pense que ça va être une belle cohorte. Puis, intéressant, l'Italie nous a raconté son voyage missionnaire en Corée du Nord, c'est fascinant. je vous donne des nouvelles quand je reviens au Québec.